Lecture du Saint-Coran au nom de la paix et de la cohésion sociale. L'initiative fait suite au retour d'une vingtaine de pèlerins relevant de l'administration des douanes, une des régies financières de l'État qui allie sa mission de mobilisation des ressources financières au respect des piliers de l'islam. Le pèlerinage qui occupe la cinquième place intéresse de plus en plus les soldats de l'économie nationale. Cette rencontre religieuse est requinquée par des autorités intervenant dans la sphère économique et financière. Elle a donné lieu à la formulation des prières et bénédictions pour une Guinée unie et prospère, le tout avec la forte présence des parents et collègues. Plusieurs témoignages font également état du bon déroulement du Hajj 2019. Dans les bénédictions, les fidèles accordent une mention spéciale à ces efforts d'organisation du pèlerinage.